Attention la belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Comment il va le gars? Salut, comment vas-tu? Tiens, je suis en train de passer là sur la bretelle qui enjambe la voie rapide, la direction Paris. Hein. Là, je suis en direction du pont d'Aquitaine. Ah ok, ouais, d'accord. Tu entendu non? Attends, là, je suis en plein dans les QRM là, du côté de la gendarmerie. Tu dis quoi? Je te disais, tu rentres au QRA ou tu vas embaucher? Oh putain non, là je vais embaucher là. Je retourne au même endroit qu'hier là sur Mérignac. Ah ouais,
Ok, pour ça, pas de problème. Mais là, moi, je suis à la sortie 6, je m'en vais direction Ok, d'accord. Et après, ben, demain soir, je serai en nuit. Voilà, du côté là, dans les environs de Saint-Émilion, par là-bas. Ah putain, la vache, je suis en plein dans les QRM là. Là du côté là, des immeubles là, du vieux, enfin, de Lormont, là par là. Au secours! Attends, je t'ai entendu gazouiller comme un rossignol. Ah, je suis trop cool. J'ai entendu le retour VIP. Ok, là je suis en train d'arriver là sur le château là qui est au pied des Monts d'Aquitaine. Ok, ouais, ça roule sur l'Aquitaine. Là moi j'arrive à la sortie numéro 13. Ok. Putain, mais t'es tombé du lit ce matin. Ah ouais, mais tu m'as un petit peu en retard. Tu vois, la première fois, il aurait fallu que je décolle 10 minutes plus tôt. Ah, oh putain, ça moustache dur là sur le pont d'Aquitaine. Ouais, il y a du monde là qui module. Ouais, j'ai entendu du monde là sur le 24, j'ai entendu là plus bas sur le 8, j'ai entendu aussi un petit peu ailleurs, et puis là je viens de me faire moustacher. Ouais. Oh, ils sont plus pénibles ces gens-là. Ça ne pas nous faire on peut pas rapidement. Ouais, ouais, ils peuvent pas aller ailleurs que sur la CIVI. Putain, là qui nous laisse tranquille là-dessus. Ouais. Et voilà, il y a un coup de moustache. Là, il y a quelqu'un qui module pas loin. Quoi. Ouais, le multibip, les 73 de Dandy 33 dans la descente du pont d'Aquitaine. Bon, ça roule, c'est tout cuiro. Mais bon, on espère encore là que ça bouchonne bien comme il faut là pour tout à l'heure. Ça devrait le faire là tout à l'heure, je pense. Ok, d'accord, mais moi je suis dans la descente direction Mérignac, les 73 Benjamin. Bon, cette vidéo, tu l'as mis en ligne? Ah oui, j'ai fait FISA hier soir, et ce matin j'ai commencé à la partager. Et là, si ça te dérange pas, là je suis en train d'en faire une petite. Enfin, quand je dis une petite, tu vois ce que ça veut dire. Ouais, voilà, j'ai bien compris, mais nickel, hein. Nickel. C'est un peu marrant de s'entendre sur YouTube. Ouais, c'est sympa, et puis bon, de toute façon, hein, le but est toujours le même, hein, c'est de donner envie, voilà. Alors, c'est pour ça que si certains filment des conneries, enfin des conneries du genre des mecs qui se prennent la tête, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps là sur Facebook, hein, je dis non, moi ça par contre ça m'amuse pas, non. Non, je préfère moi la bonne franquette, toi plutôt dans ce genre-là, quoi. Ou quand la BLU, quand la propague est là, ouais, faire écouter les pays étrangers et tout, là, c'est là aussi, là, ça en tétille certains. Ouais, de toute façon, après, j'ai envie de te dire, j'ai discuté avec pas mal de routiers hier, parce que moi je suis en camion, et la CIVI revient quand même, c'est pas mal. Ah ben bien sûr. Oui, évidemment, ben, de toute façon, il y a plusieurs facteurs à ça, hein. Déjà, ces derniers temps, le bouton déclencheur, ça a été le confinement. Alors du coup, les gens se sont retrouvés bloqués chez eux, là, pendant tout ce temps-là, à se faire chier, et pas mal se sont dit, et pourquoi pas. Et c'est vrai que là, ça fait un petit effet boule de neige. Ouais, c'est ça, exactement ça, quoi. Bon, du coup, moi, je l'avais pas dans le camion, hein. Je l'ai remis il y a un mois, parce que j'ai laissé mon Lincoln à Christophe. Parce que ça, je vais le garder en fixe. Et il me fallait un petit poste pour le camion. Et puis du coup, j'ai regardé une vidéo sur YouTube sur ce poste. J'ai fait putain, mais il est pas mal du tout. Et du coup, ben voilà, j'ai commandé le poste et l'antenne. J'ai foutu dans le camion. Au début, je trouvais ça un peu dommage parce qu'il n'y avait personne. Et puis plus ça va, et puis plus le monde revient, quoi, sur les fréquences. Donc c'est génial. Alors, qui est personne? Non, c'est pas tout à fait vrai. Bah, ou alors qui prennent le micro. Voilà, c'est plutôt ça. À chaque fois, je vois des gens, oui, je vous écouterai. Ou alors, si j'entends quelqu'un, je prendrai le micro. Bah, évidemment, quand personne prend le micro, ça fait beaucoup moins de bavard. Ah, chie trois coups.
Et pourtant, ils sont là, ils sont derrière. Comme tu vois, là, par exemple, là, je suis en train de discuter. Là, je suis avec la belette, là, il est derrière, là, il attend pour reprendre le micro. Ah, chi. Mais le fait d'avoir occupé la fréquence, toi, ça t'a incité à prendre le micro. Hier, eh bien, ça a été pareil, j'étais avec un jeune qui m'a dit la même chose. Il n'y a personne. Eh bien, ça n'a pas raté, à force de prendre des micros, paf, on a entendu d'autres stations, et puis ainsi de suite, justement, qui sont dans la vidéo, là, qui a été postée là cette nuit. Ouais. Putain, 3 heures de téléchargement de la vidéo. Putain, j'hallucine quand je vois le débit internet que j'ai chez moi. Putain, on va faire un petit retour sur la belette quand même, parce qu'il va finir par s'ennuyer et trouver la journée longue. Bon, ok, apparemment, lui, il a l'air d'être occupé de son côté. Il a dû certainement s'arrêter quelque part, je sais pas. Ok, par contre, celle-ci, là, que je suis en train de faire, là, je sais pas si j'aurai le temps de la poster ce soir. Je débouche à 18h, plus la circulation et tout. Je pense que je vais en avoir peut-être un petit peu ras la casquette et je m'en occuperai demain. Ah ben non, dans la nuit. Eh oui, ce soir, il faut que je me décale bien jusqu'à 3h, 3h30 du matin. Pour attaquer après vendredi en nuit. Putain, cette vie, quoi. Ouais, moi, il me tarde vendredi, là, parce que je me tape des heures et 10 heures en camion, et un peu de repos, ça prend pas de mal. Hier, souvent, en général, je commence à 5h50, 6h, et hier, j'ai terminé à 17h, 18h. Ça fait des longues tournées, tu vois, donc finalement le week-end. Et puis, un peu de repos, c'est pas de mal, quoi, voilà. Ouais, tu m'étonnes. Ben là, je suis parti pour une vacation de 11 heures. Demain, en nuit, ça sera une vacation de 12 heures. Non, hier, j'ai fait quoi? J'ai dû faire... j'ai fait 10 heures hier. Voilà, c'est le quotidien, ce qui me concerne. Ouais, ça tombe de ça, et puis voilà. Mais c'est pas mal, depuis que j'ai remis la scie dans le camion, je m'en sers pas tout le temps, quoi, parce que j'ai des vieilles connaissances que je retrouve, c'est marrant, quoi. C'est marrant. Enfin voilà, allez, j'ai testé, mais je vais arriver quand même à la fois sur les clients, là, tranquille, à avant les colis, changer les belles. Donc je te dis le bon 73, la bonne roulade, la prudence, et puis au plaisir, quoi, comme d'hab. Ok, j'arrive à la sortie 7, moi, là. Et je continue jusqu'à Mérignac. Ok, toi, là, avant de prendre le micro tout à l'heure, j'ai écouté, là, sur le canal 8, là, il y avait un QSO. Sur le 24, là, c'est pareil, ça passait bien fort. Là, les mecs, ils étaient pas très loin, sur la route aussi. Ok, bonne journée à toi, à la prochaine. Allez, à la prochaine, Ok, putain, je suis moustaché à bloc. Ok, les 73 à toi, ça module, ça doit être ceux du 15, j'imagine. La bonne journée à toi. Attention la belette, est-ce que tu es toujours en fréquence? Mais je vais finir par croire que tu bosses. Attention, senteur Daniel, je les appelle. Attention, senteur Daniel pour Dandy 33 qui t'appelle. Ouais, t'étais en train de bosser, c'est ça?
Ok, ça marche, je débauche à 18h, donc je pense que tu seras déjà plus là. La bonne journée à toi, ciao. Ok, ciao. Vous voyez, quand vous faites un tour de galette, quand il y a des grands blancs comme ça, effectivement, on n'entend rien. On croit qu'il n'y a personne. Voilà, on peut faire 2, 3, 4 tours de galette. On a l'impression qu'il n'y a personne, hein. Pourtant ils sont bien là. Alors ça, c'est des stations qui restent toute la journée sur le même canal. Hein. Pour eux, la CB, c'est un radio-téléphone. C'est ce qui différencie de la CB loisir et puis la CB pour travailler sur la route. Attention, Centaure Daniel pour Dandy 33 qui t'appelle.
CQO, CQO, CQDX, appel sur la fréquence des kilomacs pour 14 kilomacs 3301 opérateur Rémi, en mobile sur la rocade de Bordeaux. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 kilomacs 3301 opérateur Rémi, en mobile sur la rocade de Bordeaux. CQO, CQO, CQDX, appel sur la fréquence kilomacs pour 14 kilomacs 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, en mobile sur Sud-Ouest France, QTH Bordeaux. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, en mobile sur Sud-Ouest France, QTH Bordeaux. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sur le Sud-Ouest France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sur Sud-Ouest France, QTH Bordeaux. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le Sud-Est France et qui vous propose un QSY sur le 27 545. C'est parti pour moi. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi en mobile sur le Sud-Ouest France, QTH, la rocade de Bordeaux. Alors, il m'a semblé entendre quelqu'un répondre dans le lointain. Les 73-51, la station de la part de 14 km 3301 en mobile sur la rocade de Bordeaux. Bon, il m'avait semblé entendre quelqu'un répondre. Bon, ça a l'air de plus passer là. Bon, ben, la station située derrière, les 73-51, toi. Number one.
sur 1351, les stations fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, sur la rocade ouest, c'est le caca. C'est le caca complet dans les deux sens. Il me semble bien à comprendre parce que j'ai pas mal de bruit de mon côté. Petit loup 33 ou loulou 33, quelque chose comme ça. Et ce sont 1351 à toi. Ouais, Zulu 33 je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Les 1351 à toi, Zulu 33. Voilà, je suis passé au niveau de l'Orbon, là ça passe plus là de mon côté. Hein. Étonnant, c'est que il faut redescendre en DM pour avoir quelqu'un qui répond. Alors que tout à l'heure en DX, j'ai lancé plusieurs appels, ça à droite, à gauche. S'il y a quelqu'un qui a répondu, mais c'était beaucoup trop QRP, j'ai pas compris qui c'était. Puis ça a été fini après. Alors que là, un seul appel, ça répond de suite. Comme quoi, il y a du monde du côté des 40 canaux. Même si ça reste en écoute derrière, il y a du monde.